bienvenue dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, un podcast dédié à l'entrepreneuriat en Polynésie et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus dans le magasin Tahiti Life. Tahiti Life qui est une marque de prêt-à-porter créée par Sharif Danché qui nous accueille gentiment dans ce bel espace bien décoré avec ses magnifiques t-shirts qui sont désormais bien connus à Tahiti mais aussi à l'extérieur. Donc, comme d'habitude, nous allons avec Sharif parler de son aventure d'entrepreneur et lui poser des questions comme toujours un petit peu difficiles, un petit peu personnelles. Mais l'objectif étant bien sûr d'en apprendre plus sur son parcours et d'essayer de voir quelle a été la recette de son succès et qu'est-ce qui a fait qu'il en est là aujourd'hui et qu'est-ce qui lui donne envie de continuer. Sharif, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue à ce nouvel épisode des Curious Buzz. Merci pour l'invitation. Donc Sharif, est-ce que tu peux nous présenter l'espace dans lequel tu nous reçois aujourd'hui? Alors ici, c'est tout simplement la boutique officielle Tahiti Life qui est située à Aroué. Dans sur l'île de Tahiti. Sur l'île de Tahiti. J'ai ouvert la boutique il y a 3 ans, même si la marque existe depuis 2011. D'accord, voilà. C'est une marque qui commence déjà à avoir une bonne question. Voilà, exactement, et qui est connue maintenant en Polynésie. Voilà. Et tu en es à la combientième collection? Waouh. Qui est présente là dans cet espace? À la combientième là, je ne saurais pas te dire exactement la combientième, mais oui, on va dire la neuvième collection, vu que ça fait 9 ans. Une par an. Au moins, voilà. Ok, alors Sharif, pour se mettre en jambes, une question très simple pour commencer. Comment ça va? Ça va bien. Je suis en bonne santé, ouais, avant bon tout. C'est ce qui est le plus important. Surtout après la crise sanitaire que nous avons connue. Et je m'estime heureux d'être toujours là et d'être en forme et de pouvoir toujours réfléchir à de nouvelles idées, à de nouveaux projets aussi pour Tahiti. Et l'entreprise va bien? L'entreprise va bien. Je peux dire qu'elle va bien par rapport à ce qui s'est passé encore une fois. Je ne suis pas vraiment à plaindre. Même si ça a fait mal un peu, hein, quand ouais, même. Mais le tout, c'est de savoir s'adapter. Et rebondir, exactement. Alors, Sharif, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es pas encore, même si tu as un parcours de star, est-ce que tu peux justement te présenter un peu ton parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis arrivé en Polynésie tout petit. Donc, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité ici, les études en France. J'ai travaillé à l'étranger. J'ai travaillé aux États-Unis pendant 6 ans. J'étais à Los Angeles. J'ai travaillé dans une société d'export et import aussi, bien sûr. Et j'ai travaillé aussi pour une société qui s'appelait MySpace, qui existe toujours, mais dont on n'entend plus vraiment parler depuis l'arrivée de Facebook. Mm-hmm. Je m'étais spécialisé dans le customer service international, donc pour la section Amérique du Sud et France. Étant donné que voilà, je parle plusieurs langues, donc je traitais les plaintes, on va dire, en espagnol, en anglais, en portugais aussi. Voilà, et je suis revenu en Polynésie en 2011. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Qu'est-ce qui m'a fait revenir? C'est je suis revenu pour des raisons personnelles et aussi le fait que finalement la vie est très 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 compliquée aussi, hein, à l'extérieur, notamment. Bah, essentiellement aux États-Unis, hein, aussi. Et je me suis dit, ok, je vais revenir voir ma famille et puis travailler sur d'autres projets localement.
Voilà. Donc, tu es revenu en 2011 et à partir de là. À partir de là, avec un de mes meilleurs amis, Jimmy, que je salue au passage, nous avons réfléchi, nous avons mis en place ce projet. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire notre propre entreprise? L'idée est partie du fait que on ne trouvait pas à Tahiti des t-shirts plutôt humoristiques, mais et à la fois, on va dire, stylés, comme on peut trouver dans d'autres pays, hein. Et on a voulu le faire nous-mêmes ici à Tahiti. Et j'ai travaillé aussi pendant 6 ans pour donc j'étais employé, hein, pour une société de télécommunications de la place. Voilà. Alors justement, le concept de Tahiti Life exactement, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise? Alors, le concept de Tahiti Life, c'est de proposer du fun et de l'originalité. Voilà quelle est l'idée principale pour moi. Et comment proposer ça? C'est en proposant des dessins pour l'instant. Après, je ne sais pas encore par quel autre moyen je pourrais faire ça. Mais pour l'instant, c'est des dessins que nous proposons sur du textile et des dessins qui mêlent la pop culture à des éléments de la vie polynésienne. Donc, on pourra trouver des éléments comme parmi mes dernières créations, Thermonoïtor, un mix entre Terminator et le Mon-Œil, donc un personnage avec un pistolet avec de l'huile. On ne prend pas la violence, hein, chez Tahiti Life, donc c'est du Mon-Œil, bien sûr, pistolet à Mon-Œil. Ou alors je s'appelle Urut, au lieu de je s'appelle Groot, avec le Uru local. Voilà ce qu'on propose essentiellement chez Tahiti Life. Et aussi, on pense que tout le monde. C'est Experience the Good Life. Tahiti Life, Experience the Good Life. Et tout le monde a droit à goûter un peu à cette belle vie polynésienne. Alors, quand vous avez lancé le projet, parce que donc, comme tu l'as dit, vous étiez à deux au départ, Oui. Est-ce que vous vous êtes dit, on y va, on verra mieux ce que ça donne, et puis bon, bah, tant pis si on perd un peu de sous sur les premiers, même si j'imagine qu'il y avait quand même un certain investissement au départ, ou est-ce que vous avez préparé le projet proprement, business plan, étude de marché, etc. Comment vous avez fonctionné? Alors, on va dire un peu le mix des deux. On a quand même étudié la chose, le marché, qu'est-ce qui se faisait ou pas déjà en Polynésie française, ce qui plaisait à Tahiti et dans les îles. Et en même temps, on s'est dit, OK, faut pas perdre trop de temps non plus, faut y aller. Parce que. Vous sentiez que c'était le moment de lancer ça? Est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a permis d'identifier qu'il y avait une opportunité à saisir? Là, pour être franc, on est parti du fait que c'était le contexte aussi. Nous, on va dire 2011, on était jeunes encore. Pas de commentaires là-dessus. Pas de commentaires, hein, même si on l'est toujours. Et on avait encore cet esprit où on voulait apporter quelque chose de neuf. On l'a toujours, mais là c'était vraiment fort et on s'est dit c'est quelque chose que nous aimons aussi. C'est parti de là aussi. C'est un projet que nous aimions, des types de t-shirts, un produit que nous aimions. Et nous sommes dit, bah, étant donné que nous, on n'arrive pas à le trouver ici, on va le faire nous-mêmes, tout simplement. Donc en gros, pour résumer, vous vous êtes dit, on aimerait avoir ce produit-là, mais il Voilà. n'existe pas, on va pas attendre qu'il arrive. C'est ça, ouais. Voilà. Donc C'est ça. ça, C'est ça. vous Voilà. satisfaites votre besoin. C'est ça. Exactement. Exactement.
Et puis, on avait notre parcours aussi à chacun. Jim, qui est un businessman aussi, qui est entrepreneur, et moi qui avait fait des études supérieures de commerce. C'était l'occasion de mettre ça en pratique aussi et d'y aller. Et donc tu disais que vous avez commencé à deux et maintenant il n'y a plus que toi. Qu'est-ce qui a fait cette évolution? Est-ce que c'était quelque chose de prévu ou Alors, Rentre dans le détail. ça s'est très bien passé. En fait, c'est justement mon ancien associé est quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui est un entrepreneur et qui a dû faire un choix à un moment et donc qui est parti plus sur d'autres projets. Et moi, j'ai gardé Tahiti Life et j'ai continué à développer cet univers. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que vous avez donc décidé de partir chacun de votre côté, entre guillemets. Jimmy est parti sur d'autres projets et toi, tu as décidé de continuer tout seul. Sachant que c'est ta première entreprise, la première fois que tu gères un projet entrepreneurial, comment tu as vécu cette expérience de tout d'un coup te retrouver seul à gérer l'entreprise? Tu étais avant salarié, là c'était la première fois que tu te lançais définitivement tout seul. Raconte-nous un peu ce moment charnière dans ton expérience et pour la vie de l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a des doutes à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire de différent pour que ça fonctionne toujours? Comment est-ce qu'on va s'adapter? Et puis là aussi, il y avait c'était un contexte particulier aussi. C'est son meilleur ami, son poteau, qui travaille plus avec soi. Donc, c'était plutôt ça, parce que vraiment avec Jim, c'est une relation de confiance avant tout, ce qui est important pour gérer un business à plusieurs. Et de ce côté-là, il y avait aucun problème. C'était surtout le fait d'avoir quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que soi et de perdre cette qualité qui était difficile. Après, le fait de devoir s'adapter, j'ai réussi à le faire, même si j'ai eu des moments de doute. J'en suis à là maintenant et j'en suis pas peu fier, voilà. Pas de regret. Pas de regret. Si toujours le regret d'avoir perdu cet allié, cet ami dans cette aventure. Mais voilà. Après, pour lui, c'est bien parce que il a su avancer dans ses propres projets. Ok, ça marche. Alors, on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans un petit moment pour continuer à parler de ton aventure. Yes. Yorana, c'est Sharif de Tahiti Life. Alors, vous pouvez trouver tous nos t-shirts fun et originaux à la boutique de Haroué, qui se trouve dans le centre commercial à côté du McDo. Mais également, nous avons un site internet, tahitilife.pf, sur lequel vous pouvez commander tous nos super articles en ligne et on vous les envoie à l'étranger et en métropole aussi pour 1000 francs de frais d'envoi, quelle que soit la quantité de t-shirts commandés. Ça, c'est pour la métropole et dans les îles aussi. Voilà, donc profitez-en, tahitilife.pf. Et on est de retour dans ce bel espace de Tahiti Life avec Sharif pour continuer à parler de son expérience d'entrepreneur. Alors Sharif, on a profité de la pause pour se détendre. On t'a mis un peu en régime avec nos questions faciles. On passe aux questions difficiles. Ok, c'est parti. On a droit à un joker ou T'as appel droit à un ami? à droit à un joker. Ok. J'ai pas encore les éléments techniques pour appeler un ami, Ok, donc on va aller sur un ok. joker.
Ok, alors justement, et on va se focaliser plus sur le parcours que tu as eu depuis que tu es tout seul dans cette aventure entrepreneuriale. D'accord. Très simple question, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi ou sur l'entrepreneuriat en général, et quelle est la pire leçon que tu as apprise? Waouh. La meilleure leçon, c'est que on continue toujours à apprendre. Même si on ne sait pas quelque chose au départ, que ça, il faut pas que ça freine les ambitions, les envies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour apprendre facilement. Internet, on a toujours les bouquins, bien sûr. Mais je pense à l'époque où on devait aller chercher des livres à la bibliothèque, La bibliothèque. aller dans un CDI. Je ne sais même pas si les jeunes aujourd'hui savent ce que c'est qu'un CDI. Bon, tout simplement, aujourd'hui, si on peut s'inscrire dans des cours en ligne, bien sûr, il faut savoir vérifier les sources, bien entendu. Mais il faut pas, pour revenir au fait que aujourd'hui, faut pas s'arrêter dès qu'on a un doute sur quelque chose. On peut se renseigner facilement et essayer de le faire soi-même ou consulter quelqu'un pour que cette personne nous aide, voire un expert. Voilà, donc ça serait la meilleure leçon. Et Et ça, pour. tu penses, excuse-moi de t'interrompre, mais Oui. tu penses que c'est vraiment nécessaire quand on est entrepreneur de continuer à apprendre constamment, constamment, de jamais s'arrêter? Ah oui, ça c'est évident. Même si on fait des études. En fait, un des problèmes aujourd'hui, c'est que quand on fait ses études, qu'on a fini ses études, on pense que voilà, on a tout appris et qu'à partir de là, on s'est spécialisé dans une seule chose et que voilà, on est fait pour ça. Alors que c'est totalement faux. En sortant des études, c'est là que, au contraire, tout commence. On commence à apprendre la vraie vie, le pratique, et c'est ce qui est en réalité le plus riche. Et il faut savoir rebondir par rapport à ces nouvelles connaissances, par rapport au terrain aussi. Et donc oui, c'est essentiel. Ah, oui. Moi, par exemple, j'apprends tous les jours, que ce soit avec du community management, on en parlait tout à l'heure, comment booster, par exemple, une pub sur les réseaux sociaux. Même eux, ils changent leurs algorithmes régulièrement, donc toi, tu dois savoir t'adapter. Moi, je ne savais pas comment. Au début de Tahiti Live, je ne savais pas manipuler Photoshop. Et aujourd'hui, je peux dire que je me débrouille pas mal. Ouais. Okay, je ne suis pas un expert encore. Mais par exemple, tous ces petits détails qui font que il faut savoir s'adapter et apprendre tous les jours. Vu le parcours dont tu nous as parlé, a priori, tu ne connaissais rien en textile au démarrage non plus. Non, je m'y connaissais pas non plus. Voilà, je connais Petit truc. quelques petits trucs aujourd'hui sur le textile. Ok, ça marche. Et alors, Ouais. la pire leçon, du coup? La pire leçon. La pire leçon pour l'instant, c'est. Je dirais deux choses. Ok. Bon, la première, c'est que on peut tout perdre du jour au lendemain. Par exemple, une petite pandémie qui arrive. Par exemple. Par exemple, qui aurait cru que quelque chose comme ça serait arrivé? Personne. Et c'est dur pour les entrepreneurs.
Voilà, parce que bon, ils n'ont pas de salaire. Heureusement qu'il y a eu aussi des aides de l'État, mais ce n'est pas indéfini, ou même du pays. Voilà, ça remet les pendules à l'heure, tout ça. Ensuite, je vais revenir au tout début de la création d'une entreprise. C'est la difficulté pour créer une entreprise. Moi, c'est une chose qui me choque, en fait, vraiment, enfin, qui m'a choqué à l'époque. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Rien n'est centralisé. Il faut aller dans les différentes institutions. Il faut aller au JO, au journal officiel, hein, pas ceux de 2024, bien sûr, qui ont été annulés aussi. Donc, bon, parenthèse à part, déposer les statuts. Ensuite, il faut aller enregistrer tous les différents documents à la DAF. Il faut aller à la CCISM, qui sont trois endroits, déjà trois endroits différents. Et sans compter les prix à payer, les tarifs pour enregistrer tout ça, et ça sans avoir commencé son activité encore. Déjà en train de dépenser de l'argent alors que Déjà, t'en rapportes pas. voilà. Pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment compliqué de tout centraliser? Que on a créé une société en une fois, on dépose tout à un seul endroit, et après c'est fini. Voilà. Pardon. Je fais une petite aparté. Ouais. Justement, toi qui as vécu aux États-Unis, alors tu n'as pas été entrepreneur aux Ouais. États-Unis, mais on cite souvent les États-Unis comme étant le modèle de l'entrepreneuriat, Ouais. voilà, de la dynamique économique, de Oh, développement, etc. bien sûr. Est-ce qu'il y a une réelle différence de ce que tu as pu vivre de ton expérience aux États-Unis, même en tant qu'employé, mais étant employé par des sociétés? Est-ce qu'il y a une part de mythe aussi là-dedans, malgré tout? Ou est-ce qu'on est vraiment à la traîne? Que ce soit en Polynésie, en France, en Europe, par rapport à ça. Alors, en effet, je n'ai pas créé de société aux États-Unis, mais à vérifier. Mais je pense qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus facile de créer une société, et il me semblerait qu'on ne débourse pas beaucoup pour pouvoir faire ces démarches. Après, je n'ai pas le prix exact ou je ne connais pas exactement les démarches à faire. Après, oui, c'est le pays de l'entrepreneuriat, du capitalisme. Un peu trop d'ailleurs. On va refaire un épisode complet sur ça, sur ce point. voilà. Ok, ça marche. Voilà. Alors, au-delà des leçons que l'entrepreneuriat t'a appris, est-ce que tu as dû faire des sacrifices dans le cadre de ce parcours que tu as depuis plusieurs années au sein de Tahiti Life? Parce que l'entrepreneuriat, bon, voilà, on en parle, on voit le succès des entreprises américaines, etc. Il y a ici aussi et partout des entreprises qui réussissent bien. Et quand on parle des entrepreneurs, on montre souvent les entrepreneurs qui réussissent et on montre la fin du parcours, entre guillemets. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de sacrifices. Et l'un des buts de ce podcast, c'est aussi de dire, voilà, l'entrepreneuriat, c'est une aventure fascinante. Mais voilà ce qui peut en coûter aussi. Donc quand on se lance, eh bien, il faut se lancer avec raison. Donc est-ce que tu peux nous dire si toi tu as fait des sacrifices et éventuellement nous en parler. Oui, alors j'ai à un moment donné, j'ai cumulé les emplois. Je travaillais pour une société et le soir, je continuais à travailler pour développer Tahiti Life. Donc ça, c'est un gros sacrifice parce que du coup, la vie de couple je dis bien, peut être difficile. Si la partenaire n'est pas compréhensive, ce qui n'est pas du tout mon cas,
fait, je dis ça parce qu'elle me regarde. Non, je plaisante. Max, si tu nous écoutes. Non, sérieux. Mais je suis sérieux en même temps parce que le soir, on est forcément fatigué, on ne veut pas forcément sortir et puis ça peut peser au bout d'un moment. Du coup, ma partenaire a été très, 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 très patiente. Elle est toujours un peu, hein, mais mais ça va, voilà, mais ça va mieux aujourd'hui. Voilà, un des premiers sacrifices, c'est de devoir vraiment travailler quand il le faut, quand il faut le faire le soir même, le jour même, parce que bon, un des dangers, bien sûr, c'est la procrastination. C'est l'ennemi de l'entrepreneur. Parce que ça, c'est OK, on remet à demain et on n'avance pas du tout. Je ne dis pas que ça ne m'est pas arrivé. Mais il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on a dépassé 20h ou 21h qu'on va mourir. Il n'y a pas d'heure syndicale, comme tu dis, effectivement. Oui, d'autres sacrifices, c'est aussi de devoir toucher à plusieurs choses. C'est-à-dire... Sauf que tu... des choses que tu aimes bien. Exactement, voilà, c'est ça. Par exemple, quand il y a des salons, il faut y aller soi-même, mettre les décos soi-même, taper sur les clous, tout vérifier et sortir tard le soir. Faut pas avoir peur, pardon, de bosser. Ça, il y a pas de secret, tout simplement. Ça va sans le dire, mais il faut le dire quand même, parce que c'est vrai que Ça représente malgré tout beaucoup de temps et d'énergie. C'est ça, et c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir quelque chose qu'on aime faire. C'est vraiment un luxe de pouvoir travailler avec quelque chose qu'on aime faire. C'est un prix. Bah, oui. Voilà, c'est ça. Mais qui vaut le coup. Pour moi, ça... Ah ouais. Et en plus, être entrepreneur, c'est aussi être libre de ses actions. Mm. Et pour moi, ça, c'est... C'est waouh. Alors justement, est-ce que c'est ça qui te donne envie de continuer ou il y a autre chose aussi qui te motive à poursuivre cette aventure? Ça en fait partie, bien sûr, hein, de pouvoir... être entre guillemets maître de son destin, ce qui veut dire aussi que si tu échoues, ça sera totalement de ta faute tu ne peux rejeter la faute sur personne d'autre. C'est une bonne chose aussi. Ce qui me donne aussi envie de continuer, c'est aussi le fait d'être bien entouré. Je pense que pour un entrepreneur, c'est très, très important qu'il soit bien entouré parce qu'on pense uniquement au chef d'entreprise, à la personne qui est en train de gérer ça. Mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un univers autour de cette personne, que lui, il a un univers. Ça peut être les enfants, ça peut être la femme, les amis. Et tous ces petits soutiens, ou même grands soutiens, font la différence. Ça fait vraiment, pour moi, ça fait la différence. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu es en train de travailler comme un acharné toute la journée à la maison, ça peut être à la maison, mais au bureau, pour faire développer ton entreprise, et que tu rentres chez toi, et que c'est pour retrouver des gens qui ne sont pas vraiment dans ton état d'esprit ou qui sont là pour t'aider ou qui mettent des soucis supplémentaires dans ta vie, il y a de fortes chances que professionnellement, ça n'aille pas. Ça, que ce soit pour un entrepreneur ou pour un salarié. Ouais. Voilà. Mais c'est peut-être encore plus vrai pour l'entrepreneur. Peut-être, oui. Oui, oui. Parce qu'il faut encore dégager beaucoup plus d'énergie
pour réussir. Voilà. Donc ça, ça me donne envie de continuer aussi. C'est motivant. Ce qui me donne aussi envie de continuer, c'est quand j'ai des clients qui viennent et qui me disent « Ah, c'est top, ça me fait vraiment marrer » ou que ça a procuré une émotion positive chez la personne et que tu peux le voir. Déjà, quand cette personne regarde le t-shirt que tu la vois en train de faire un petit sourire, c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Quelqu'un qui aime ton produit, qui te le montre. Et du coup, ça te confirme un peu dans tes choix, dans tes décisions. Oui, ça redonne confiance. Exactement, ça redonne confiance parce que, bien entendu, il y a des moments de down, de doute. Et d'un coup, il y a cette personne qui vient dire, oh, c'est vraiment top ça. Ah ouais, je vais en ramener pour moi et pour mes enfants. Et là, c'est reparti. Alors, si malgré tout, en regardant, parce que tu es quand même aujourd'hui arrivé à une situation où l'entreprise tourne bien, donc Oui, il y a des ça hauts et des bas, bien évidemment, va. Bien rien n'est sûr. certain, comme on l'a dit encore Exactement. plus, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Mais voilà, globalement, c'est plutôt positif comme Oh, bilan. oui. Mais si tu regardais en arrière et que je te disais, j'ai une petite baguette magique avec moi, tu peux changer une chose que tu as fait dans le cadre de ton parcours entrepreneurial et en y repensant, tu te dis, on n'a peut-être pas dû faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu penses ou J'aurais peut-être pas dû faire ça. si tu avais le pouvoir de changer une chose, une décision ou une action que tu as menée dans ton parcours? Sais pas si je peux le dire, mais je pense à une chose, mais là, réellement. C'est vraiment compliqué comme question. D'utiliser ton Ah joker. ouais, j'ai le droit d'utiliser mon joker. Changer quelque chose. Ça peut être d'avoir Ou. fait quelque chose plus tôt, ou ne pas l'avoir fait, ou l'avoir fait différemment. Ah, ok. Je pense que là, c'est peut-être mettre plus en avant le site internet, peut-être un peu plus tôt, travailler dessus un peu plus tôt, mais en même temps, voilà, je sais pas si j'aurais pu le faire de toute façon, mais. Le mettre un peu plus en avant pour les personnes intéressées à l'étranger. Voilà, par exemple. Voilà. Oh, c'est pas trop trop grave. Voilà, après, il y a des choses avec des alliances qui ne se sont pas qui ont pas bien fonctionné, par exemple. Mais ça m'a permis de trouver une alternative bien meilleure. Et donc je me dis, si j'avais pas rencontré cette première personne, peut-être que je n'aurais jamais trouvé cet autre, on va dire, partenaire professionnel. Les échecs nous font avancer. Oui. Oui, les échecs nous font avancer, mais il y a des échecs qui font mal, quand même. Ouais, je pense qu'il y a des échecs qui font mal. Pour l'instant, je pense que j'ai plutôt appris, pas mal appris des échecs des autres. C'est bien, ça coûte pas
fois. Ça coûte moins cher. Ouais. J'apprends des miens aussi, mais des gros échecs, je pense plutôt des autres. Salut, c'est Sharif de Tahiti Life, Yaorana. Vous pouvez trouver tous nos t-shirts Tahiti Life en ligne sur tahitilife.pf. Et oui, nous envoyons les t-shirts aussi en France pour 8,38 € uniquement, quelle que soit la quantité de t-shirts commandés. Alors profitez-en, t-shirts, casquettes, sweatshirts. Hey, c'est le top. Alors parlons un peu de l'avenir. Oui. Tu vois comment l'avenir ? Positif, optimiste ? Comment tu vois l'avenir, que ce soit le tien, celui de Tahiti Life ou l'avenir en général ? Je le vois de manière positive. En tout cas, je ne m'inquiète pas trop. Voilà. J'essaie de prévoir, bien sûr, de m'organiser. C'est ça la difficulté de l'entrepreneur, hein, c'est de pouvoir prévoir, d'anticiper. À mon avis, c'est un des plus gros challenges d'un chef d'entreprise. Prévoir son stock, prévision de croissance, ouais, et s'adapter en fonction. Donc plutôt confiant quand même. Oui, oui. Confiant tant que les choses sont organisées. Oui, oui, voilà. Plutôt confiant. Et je pense que s'il faut plutôt être confiant en général, hein, parce que sinon on n'avance pas. Ouais. De toute façon, si on a la peur, comme disait un grand maître Yoda, non, je plaisante. Il en a dit des grandes choses, surtout par rapport à la peur. Oui, bon, plus sérieusement, pour l'instant, oui, je suis confiant. Voilà. C'est pas la même chose pour tout le monde en ce moment, ce que je peux comprendre. Je continue à réfléchir à d'autres projets. Essayer justement d'utiliser ces moments pour proposer des partenariats, proposer des offres croisées. Tout ça pour dire que voilà, il faut proposer de nouvelles choses, faire des partenariats, parce que justement c'est pas en restant chacun dans son coin qu'il sera facile de surmonter cette épreuve. Donc peut-être voir les choses différemment et travailler un peu plus ensemble. D'accord. Voilà. Alors, dernière question tordue. Parce que j'en ai plein. Ah, mais ça ne m'étonne plus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours d'entrepreneur dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais confier à nos auditeurs aujourd'hui, sans forcément que ce soit quelque chose d'ultra personnel, mais quelque chose où tu dis « Ouh là là, ça vaut mieux pas que les gens le savent », mais en même temps, ça peut être aussi une leçon importante et que tu pourrais, pour la première fois en exclusivité dans ce podcast, nous révéler. Quelque chose que je ne voudrais pas. Que tu n'as jamais eu l'envie ou le courage de dire à d'autres personnes et que là tu vas dire allez, c'est pas grave, on va exorciser. Waouh. Ouais. Ça rejoint ce que je disais un peu au début. Le fait de ne pas savoir faire des choses. Ne pas laisser cela te freiner. Je propose des dessins, des super dessins sur les t-shirts, sauf que je ne sais pas du tout dessiner.
Et oui, voilà. Voilà, on le sait. Voilà. Ce n'est pas toi qui Ce n'est pas moi qui dessine. Voilà. Je travaille avec des graphistes. Par contre, ce sont mes idées. Je dis ce que je veux voir. Toutes ces choses farfelues se passent dans ma tête. Non, n'aie pas peur. N'ayez pas peur. Ok, quand vous rentrez dans la boutique, c'est moi, mais voilà, Gentil. je suis gentil. Comme Urut, pois rôti, un cochon qui est en train de se dorer la pilule sous le soleil. Ça sort de ma tête. Voilà. Mais c'est pas ta main qui est là. Non, c'est voilà, c'est pas ma main, pas encore, on va dire. Parce que On est quoi? justement, même s'il n'y a plus de CDI aujourd'hui, je pourrais prendre des cours de dessin, pourquoi pas. Mais c'est peut-être ça aussi le secret de l'entrepreneuriat, c'est d'aller trouver les bonnes personnes avec qui vont nous aider justement à mettre en concret les idées qu'on a dans la tête. Savoir déléguer Ouais, aussi. aussi, donc c'est faire ça aussi, déléguer Parce que le sinon, tu dessin, l'aurais jamais fait. sinon je l'aurais jamais fait. Voilà. L'impression aussi, je travaille avec une société locale. Moi, je ne sais pas imprimer sur les t-shirts, mais je travaille avec une super entreprise localement qui fait toutes ces superbes impressions. Voilà, donc je délègue. Ok, merci. Alors, jouer le jeu, c'est pas une question facile. Ben, merci à toi. Alors, voyons un petit peu plus grand maintenant. Et tout simplement, tu as une riche expérience d'entrepreneur maintenant. Si tu avais quelque chose, une recommandation, un conseil à donner à ceux qui, voilà, t'écoutant aujourd'hui, se disent, tiens, moi aussi j'ai une idée, j'aimerais la mettre en musique, la concrétiser. Qu'est-ce qu'il faudrait que je sache de très important pour réussir? Voilà, la première chose que je dirais, c'est se poser la question de pourquoi est-ce qu'on achèterait ton produit ou ton service, dépendant de l'idée que cette personne a. Pourquoi plus ce produit qu'un autre, s'il existe déjà? Déjà, est-ce qu'il existe? S'il existe déjà, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui va faire que quand j'irai dans la rue, dans un centre à Papeete, un centre commercial ou à Rouen, en passant, pourquoi est-ce que les gens se diront, tiens, je vais acheter ça? Donc c'est pour moi, c'est la première question, pourquoi plus mon produit, pourquoi plus mon t-shirt que les autres entrepreneurs qui se lancent aussi dans le textile. Voilà. C'est bien se dire, qu'est-ce qui fait la différence dans mon produit? Bien se challenger sur c'est pas juste parce que moi ça me plaît que ça y est, faut y aller quoi. Voilà. Si ça te plaît, tant mieux. C'est ce qui s'est passé pour nous. Ça nous plaisait ce produit, mais on s'est quand même dit, ok, il y a pas mal de gars qui font déjà des t-shirts, du textile. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez nous? Et on s'est dit, ok, voilà, on va proposer quelque chose de différent quand même. Mais en même temps, est-ce que c'est un t-shirt que je vends ou c'est une idée derrière? Donc, bien se poser la question de qu'est-ce que vous vendez vraiment? Est-ce que le produit? Voilà. Est-ce que c'est vraiment un t-shirt? Est-ce que c'est vraiment des tasses? Ou c'est le message que vous véhiculez sur ces produits, par exemple? Voilà. Ok, super. Dernière question, Oui. ouverte, tout simplement. OK. S'il y a une dernière pensée que tu as envie de partager, une dernière idée que tu voudrais partager avec nos auditeurs. Une dernière idée. Je vais tout simplement revenir sur celle évoquée un peu plus tôt. Sachez bien vous entourer aussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de. Professionnellement et personnellement, ou juste l'un ou l'autre? Les deux. Ouais. Pour moi, les deux. Parce que personnellement, ça va forcément impacter professionnel et inversement.
professionnellement, des personnes de confiance. Des personnes de confiance et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Parce qu'on a tendance souvent à oublier ça dans les entreprises, que ce soit les petites ou les grandes. Quelles sont les valeurs de l'entreprise en réalité? Est-ce que cette entreprise accorde de l'importance à l'être humain ou pas du tout? Est-ce que moi, quand je vais créer une entreprise, moi, au contraire, j'accorde de la valeur à l'être humain? Donc, quand je vais choisir mes partenaires professionnels, mes associés, bah, je vais essayer de voir ce qu'ils en pensent d'abord. Si le gars, oh, George Floyd, non, rien à cirer, lui. Ça vous donne peut-être une idée. Bon, c'est pour exagérer, mais voilà, exactement. Donc, ça serait mon dernier mot. Ah, ta dernière pensée. Ma dernière pensée. Ok, super. Voilà. Charif, merci beaucoup. Ah, c'est moi, merci beaucoup, de Philippe. D'être prêté au jeu de. Avec plaisir. Podcast. Avec ce plaisir. Pas toujours des questions faciles. Non, c'est pas facile, mais. On a besoin d'entendre le cœur de l'aventure entrepreneuriale et je pense que c'est bien pour tout le monde. Merci de nous avoir reçus. Bah, merci. Et merci de m'avoir invité et pour ce super podcast aussi. Ça marche. Voilà. Allez, ciao. Voilà, c'était donc le troisième épisode de ces Curious Buzz. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'être accueillis ici à Tahiti Life par Charif. Charif, un entrepreneur avec un parcours très riche, mais aussi plein d'énergie et de créativité. Donc, j'espère que son parcours vous aura inspiré, vous aura donné des idées. Et si vous prévoyez de vous lancer, ben, voilà, n'hésitez pas à utiliser son expérience et ses erreurs pour éviter vous aussi d'en avoir à payer le prix. Je vous retrouverai très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur. À très bientôt. C'est encore Charif, rien que pour vous, auditeurs de Curious Buzz. Et j'ai un petit code spécial pour vous sur tahitilife.pf avec le code CBUZZ, CBUZZ. Bénéficiez de 7% de réduction sur toutes vos commandes. Donc profitez-en, valable jusqu'au 31 décembre 2020. Allez, salut!